prière des trois archanges les plus puissants, Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël. C'est une prière très puissante, avec l'aide des trois archanges suprêmes du ciel. Tous ceux qui ont entendu cette prière ont été bénis et ont vu leur demande exaucée rapidement. Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, ensemble, rendent l'impossible possible. Il est important de suivre la prière jusqu'à la fin pour que ce lien de protection ne soit pas rompu. Écrivez avec foi dans les commentaires. Chers archanges, intercédez pour ma famille et pour moi devant Dieu. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi avec humilité et foi. Je reconnais que tu es le Créateur de toutes choses et que ton amour pour nous est immense. Aujourd'hui, avec tes nobles archanges Michel, Gabriel et Raphaël, je prie au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et de tout cœur, pour que tu nous accordes ta protection et tes conseils dans notre voyage. Archange Michel, défenseur de la lumière divine, je te demande de venir à mon aide et de me protéger de tout mal qui pourrait essayer de m'affecter. Archange Gabriel, messager de la vérité, guide-moi avec clarté dans tous les aspects de ma vie. Archange Raphaël, guérisseur des âmes et du corps, répands sur moi ta guérison et restaure ma santé physique et spirituelle. Seigneur Dieu, je te loue de toute mon âme. Ta bonté merveilleuse et ton pouvoir infini sont des sources de gratitude. Je te remercie pour toutes les bénédictions que tu as déjà accordées à moi et à ma famille. Ton amour nous entoure et nous soutient à tous les moments de nos vies. En toi, je trouve refuge, paix et sécurité. Merci Seigneur pour ta présence constante et tes soins affectueux. Béni soit ton nom aujourd'hui et toujours. Seigneur, je reconnais que toi seul as le pouvoir d'envoyer ces archanges pour veiller sur nous. Au nom de Jésus, je te demande d'entendre ma prière et de m'accorder le miracle urgent dont j'ai tant besoin. Saint Michel Archange, puissant guerrier du Seigneur, j'invoque ta présence à mes côtés. Empoigne ton épée de lumière et défends-moi contre tout mal qui tente de s'approcher. Protège-moi avec ta force et ton courage contre les menaces visibles et invisibles. Protège ma maison, ma famille et tout ce que j'aime. Que ta présence soit un bouclier autour de nous, empêchant toute malveillance de nous atteindre. Je crois en ton pouvoir et en la mission que Dieu t'a confiée. Supprime tous les obstacles et dangers de notre chemin. Protège-nous des accidents et des catastrophes. Assure notre sécurité dans tous nos déplacements. Comme notre défenseur, couvre-nous de ton armure sacrée. En toi, Archange Michel, nous déposons notre sécurité spirituelle et physique. Nous te demandons de nous défendre contre la pénurie et les déséquilibres financiers. Avec ta puissante épée, brise les chaînes de la pauvreté et de la dette. Attire des opportunités de croissance et de prospérité. Bénis nos efforts pour que nous soyons valorisés et récompensés selon ta volonté divine. Cher Dieu Tout-Puissant, je t'admire et t'honore pour ta force et ton courage. Tu es le chef des armées célestes, celui qui ne recule jamais devant le mal. Ta lumière brille intensément, apportant sécurité et protection à nous tous. Je te remercie, Michel, pour toutes les batailles que tu mènes en notre faveur et pour ne jamais nous abandonner dans les moments de danger. Ta présence est un phare qui illumine notre chemin, éloignant les ombres qui tentent de nous envelopper. Que ton courage et ton pouvoir continuent de nous guider et de nous protéger. Tu es notre fidèle gardien, et pour cela, je te loue et te fais pleinement confiance. Archange Gabriel, messager de la lumière divine, je te demande de venir à moi. Ta voix apporte les messages de Dieu, remplissant nos cœurs de sagesse et de clarté au milieu des doutes et des incertitudes. J'ai besoin de ton orientation, Gabriel,
Toi qui as annoncé la venue du Sauveur, guide-moi sur le chemin que Dieu a pour moi. Aide-moi à entendre la voix de Dieu dans mon cœur, pour que je puisse suivre ses plans avec foi et confiance. Donne-moi la force de prendre les bonnes décisions et le courage d'aller de l'avant, même lorsque le chemin semble difficile. Que ta lumière illumine mon esprit et mon âme, apportant paix et discernement. Toi qui es la voie de la vérité, guide-nous dans les décisions, montrant le chemin correct à suivre. Toi qui as proclamé l'arrivée du Sauveur, apporte maintenant dans nos vies l'émergence de nouvelles opportunités d'amitié précieuse et de relations enrichissantes. Aide-nous à communiquer nos sentiments et nos pensées efficacement, renforçant nos liens et résolvant les malentendus. Élimine les incompréhensions et les désaccords dans notre vie personnelle et professionnelle, apportant clarté et sagesse pour comprendre les desseins divins et la force de suivre le chemin vertueux. Je t'exalte et célèbre ta présence divine. Tu es le porteur de bonnes nouvelles, l'ange qui apporte la parole de Dieu à nos cœurs. Ta voix est douce et pleine de vérité, illuminant nos vies de sagesse et d'espérance. Je te remercie pour tous les messages d'amour et de paix que tu apportes du ciel. Tu es un guide fidèle, toujours prêt à nous montrer le bon chemin. Ta lumière brille intensément, dissipant les ténèbres du doute et de la peur. Gabriel, que ta présence continue de nous bénir avec clarté et compréhension. Tu es un messager divin, et pour cela, je te loue et je te fais pleinement confiance. Archange Raphaël, puissant ange de la guérison, je t'invoque avec toute ma foi. Tu es celui que Dieu a envoyé pour apporter santé et restauration. Je te demande de venir à moi et de répandre ta guérison sur mon corps et mon âme. Raphaël, toi qui as guidé Toby dans son voyage et guéri son père de la cécité, je te demande d'être mon guide et mon guérisseur. Touchez chaque partie de mon être qui a besoin de ta guérison divine, éliminant toute douleur et maladie. Renforce mon corps et mon esprit, me donnant une vitalité et un espoir renouvelé. Que ta présence apporte paix et bien-être, me restaurant complètement. Je crois en ton pouvoir et en ta mission de guérir. Notre médecin céleste, répand sur nous ton élixir de guérison, soulageant nos douleurs et guérissant nos maladies, rétablissant notre santé physique, mentale et spirituelle. Aide-nous à maintenir la santé, nous incitant à prendre soin de notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Nous te demandons de nous assister dans notre marche spirituelle, guérissant les blessures de l'âme et nous libérant des vices et des peurs, nous permettant de vivre en harmonie avec le Père Céleste. Archange Raphaël, je t'exalte et loue ta bonté et ton pouvoir curatif. Tu es l'ange envoyé par Dieu pour apporter santé et renouveau à tous ceux qui souffrent. Ta présence est comme un baume qui soulage nos douleurs et renforce nos cœurs. Je te remercie pour toutes les guérisons que tu as accomplies au nom de Dieu. Pour chaque vie transformée par ton toucher divin, tu es un phare d'espérance pour ceux qui sont malades et affligés. Raphaël, que ta lumière continue de briller sur nous, apportant guérison et réconfort. Tu es un instrument de Dieu, et pour cela, je t'honore et je fais pleinement confiance en ton pouvoir de guérison. Devant ta majesté et ta bonté, Père Céleste, nous implorons la présence des archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Que leur bénédiction imprègne tous les domaines de nos vies. Archange Michel, que ton épée lumineuse élimine les chaînes qui nous lient à l'insécurité financière et ouvre les portes pour que, grâce à notre travail honnête et à notre dévouement, nous puissions atteindre la stabilité et l'abondance. Seigneur Dieu, Père bon et miséricordieux, je suis ici devant toi, implorant un miracle urgent dans ma vie. Je sais que rien n'est impossible pour toi et que ta main puissante peut transformer n'importe quelle situation. En ce moment d'angoisse et de besoin, je te demande, avec l'aide de tes archanges Michel, Gabriel et Raphaël,
d'intervenir dans ma vie. J'ai besoin d'une solution divine pour ce problème qui m'afflige. Je crois pleinement en ton amour et en ton pouvoir. Je sais que tu entends mes supplications et que tu répondras à ma demande. Répands tes bénédictions sur moi et réalise ce miracle, Seigneur. Au nom de Jésus, je te demande, Seigneur, je déclare ma foi en toi. En ce moment, je sais que tu es un Dieu de miracles, un Dieu qui peut tout, même face aux difficultés et aux défis. Je choisis de faire confiance en ton pouvoir et en ta bonté. Ma foi est l'ancre qui me maintient ferme, même lorsque les vents de l'adversité soufflent fort. Je crois que ta main est sur moi et que ta volonté est toujours bonne, parfaite et agréable. Seigneur, augmente ma foi chaque jour, afin que je puisse rester fort et confiant en toi. Je sais que tu travailles dans ma vie, même quand je ne peux pas le voir. Je te remercie, car je sais que la victoire est déjà en chemin. Archange Michel, je te demande de continuer à me protéger avec ton épée de lumière. Éloigne de moi toutes les forces du mal, toutes les influences négatives qui tentent de m'atteindre. Que ton bouclier soit un mur impénétrable autour de moi, gardant ma maison, ma famille et tout ce que j'aime. Saint Michel, puissant défenseur, veille sur nous jour et nuit. Ne permet à aucune ombre de peur ou de doute de s'approcher. Ta force est ma sécurité, et dans ta protection, je trouve paix et tranquillité. Archange Gabriel, voix de la vérité et de la clarté, inspire dans nos cœurs le courage d'aimer et d'être aimé. Que ta lumière guide chaque mot que nous prononçons pour exprimer notre amour et nos besoins de manière claire et aimante. En temps d'incertitude et de confusion, j'ai besoin de ta lumière pour illuminer mon chemin. Aide-moi à entendre la voix de Dieu et à discerner sa volonté dans ma vie. Gabriel, messager céleste, accorde-moi la sagesse de prendre les bonnes décisions et le courage d'aller de l'avant. Montre-moi la direction à suivre et donne-moi la clarté d'esprit pour comprendre les signes que Dieu m'envoie. Que ta présence me guide à tout moment, éloignant le doute et apportant la paix à mon cœur. Je te remercie, Archange Gabriel, d'être mon guide et mon conseiller. Archange Raphaël, grand guérisseur, je te demande de venir à ma rencontre avec ton pouvoir de guérison. Touche mon corps et mon âme, soulageant toutes les douleurs et maladies. Que ton énergie réparatrice circule en moi, apportant santé et vigueur. Raphaël, toi qui es l'ange de la guérison divine, veille sur ceux qui sont malades et souffrants. Répands ta bénédiction sur eux, renouvelant leur force et apportant soulagement. Accorde-moi une santé pleine pour que je puisse vivre chaque jour dans la plénitude et la gratitude. Enveloppe-nous de ton aura de guérison, soulageant les afflictions physiques et nous fortifiant dans la bataille contre les maladies. Que ta guérison atteigne aussi notre esprit et notre âme, guérissant les traumatismes, dissipant les anxiétés et rajeunissant notre énergie vitale. Seigneur Dieu, au milieu des luttes et des difficultés, je place mon espoir en toi. Je sais que tu es le Dieu de l'impossible et que rien n'est hors de portée. Même lorsque tout semble difficile, je choisis de faire confiance à ta promesse de ne jamais m'abandonner. Mon espoir est ancré dans ton amour et ta fidélité. Tu es ma lumière dans les moments sombres et ma force dans les moments de faiblesse. Renouvelle mon espoir, Seigneur, pour que je puisse affronter chaque jour avec courage et foi. Seigneur Dieu, je te demande de me donner la force et le courage de faire face aux défis de la vie. Parfois, je me sens faible et découragé, mais je sais qu'en toi, je trouve la force dont j'ai besoin. Renforce mon esprit pour que je puisse résister aux difficultés et aller de l'avant avec confiance. Archange Michel, puissant guerrier du Seigneur, prête-moi ton courage, aide-moi à ne pas craindre les obstacles et à lutter bravement contre toutes les adversités. Que ton courage m'inspire à être fort et intrépide. Seigneur, donne-moi le courage d'affronter chaque jour
avec espoir et détermination, sachant que tu es à mes côtés. Que je puisse être un exemple de foi et de force pour ceux qui m'entourent. Je te remercie de me fortifier et de me donner du courage. Seigneur Dieu, je peux réaffirmer ma foi et ma confiance en ton pouvoir et ton amour. Je sais que tu es toujours avec moi, guidant mes pas et prenant soin de chaque détail de ma vie. Même lorsque les temps sont difficiles, je choisis de faire confiance en toi. Archange Gabriel, aide-moi à maintenir ma foi ferme et inébranlable, que je puisse ressentir ta présence à tout moment, me rappelant que Dieu ne m'abandonnera jamais. Renforce ma confiance pour que je puisse faire face à tous les défis avec sérénité. Seigneur, ma foi en toi, c'est le fondement de ma vie. Je te remercie pour ta fidélité et pour ne jamais me laisser seul. En toi, je trouve la paix, l'espoir et la force pour continuer. Je crois pleinement en ton amour et en ta miséricorde. Nous te remercions, Seigneur, pour la protection et l'amour des archanges, et nous demandons que leurs vertus et dons se manifestent continuellement dans nos vies, apportant paix, santé, prospérité et amour. Que cette prière nous connecte profondément à ton amour éternel et aligne nos actions à ta volonté divine, reflétant ta lumière et ta bonté dans tout ce que nous faisons. Nous demandons toutes ces grâces au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, à qui, avec toi et le Saint-Esprit, nous rendons hommage et louange pour tous les siècles des siècles. Seigneur Dieu, nous demandons que la protection des trois puissants archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, soit avec nous chaque jour. Ouvre les chemins vers la prospérité, guéris nos maladies, protège-nous de tout mal et guide toutes nos décisions. Archange Michel, prince des armées célestes, nous comptons sur toi pour nos protections spirituelles et physiques. Comme notre défenseur, protège-nous contre la pénurie et les déséquilibres financiers. Utilise ton épée pour couper les chaînes de la pauvreté et attirer les opportunités de croissance et de prospérité. Bénis notre travail et notre vie pour que nous soyons reconnus et récompensés de manière juste. Archange Michel, enlève tous les pièges et les jalousies de notre chemin. Protège-nous des accidents et des catastrophes, garantissant un voyage sûr où que nous allions. Archange Gabriel, voix de la vérité, guide-nous dans toutes les décisions. Annonce dans notre vie le début de nouvelles opportunités et d'amitiés précieuses. Aide-nous à exprimer nos sentiments et nos pensées clairement, renforçant nos liens et résolvant les conflits. Élimine les malentendus et les disputes dans nos relations professionnelles et personnelles. Archange Raphaël, médecin céleste, répand sur nous ton baume de guérison, soulageant nos douleurs et guérissant nos blessures, restaurant notre santé physique, mentale et spirituelle. Incite-nous à prendre soin de nos corps, comme des temples sacrés, et aide-nous dans notre marche spirituelle, guérissant les blessures de l'âme et éliminant les peurs et les vices. Que nous puissions vivre pleinement en connexion avec le Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ et unis au Saint-Esprit, nous demandons que la présence des archanges Michel, Gabriel et Raphaël apporte des bénédictions et de la protection à tous les aspects de nos vies. Archange Michel, avec ton épée lumineuse, coupe toutes les chaînes qui nous lient à l'insécurité financière et ouvre les portes de la prospérité. Libère-nous de la pauvreté et de l'injustice. Archange Gabriel, inspire dans nos cœurs le courage d'aimer et d'être aimé, et que ta lumière guide nos paroles pour que nous communiquions notre amour et nos besoins de manière claire et aimante. Gabriel, messager céleste, accorde-moi la sagesse de prendre les bonnes décisions et le courage d'aller de l'avant. Montre-moi la direction à suivre et donne-moi la clarté d'esprit pour comprendre les signes que Dieu m'envoie. Que ta présence me guide à tout moment, éloignant le doute et apportant la paix à mon cœur. Je te remercie, Archange Gabriel,
d'être mon guide et mon conseiller. Archange Raphaël, grand guérisseur, je te demande de venir à ma rencontre avec ton pouvoir de guérison. Touche mon corps et mon âme, soulageant toutes les douleurs et maladies. Que ton esprit réparateur circule en moi, apportant santé et vigueur. Raphaël, ange de la guérison divine, veille sur ceux qui sont malades et souffrants. Répands ta bénédiction sur eux, renouvelant leurs forces et apportant soulagement. Accorde-moi une santé pleine pour vivre chaque jour dans la plénitude et la gratitude. Enveloppe-nous de ton aura de guérison, soulageant les afflictions physiques et nous fortifiant dans la bataille contre les maladies. Que ta guérison atteigne aussi notre esprit et notre âme, guérissant les traumatismes et dissipant les anxiétés, et revitalisant notre énergie vitale. Archange Michel, sois notre refuge dans les moments de danger et de peur. Protège nos foyers, nos familles et tous ceux que nous aimons. Que ton armure soit notre bouclier contre le mal, et que ton épée repousse toute entité ou énergie malveillante. Archange Gabriel, accorde-nous la sagesse de faire des choix justes et corrects, tant dans les relations personnelles que professionnelles. Que la vérité et la compréhension soient les piliers de nos interactions, et que l'harmonie prévale dans tous les aspects de notre vie. Archange Raphaël, étends ta guérison à nos proches qui souffrent physiquement ou spirituellement. Que ta bénédiction atteigne les hôpitaux et les cliniques, apportant réconfort et soulagement là où la souffrance appelle ton intervention divine. Seigneur Dieu, au milieu des luttes et des difficultés, je place mon espoir en toi. Je sais que tu es le Dieu de l'impossible et que rien n'est hors de ta portée. Même lorsque tout semble difficile, je choisis de faire confiance à ta promesse de ne jamais m'abandonner. Mon espoir est ancré dans ton amour et ta fidélité. Tu es ma lumière dans les moments sombres et ma force dans les moments de faiblesse. Renouvelle mon espoir, Seigneur, pour que je puisse affronter chaque jour avec courage et foi. Seigneur Dieu, je te demande de me donner la force et le courage de faire face aux défis de la vie. Parfois, je me sens faible et découragé, mais je sais qu'en toi, je trouve la force dont j'ai besoin. Renforce mon esprit pour que je puisse résister aux difficultés et aller de l'avant avec confiance. Archange Michel, puissant guerrier du Seigneur, prête-moi ton courage. Aide-moi à ne pas craindre les obstacles et à lutter bravement contre toutes les adversités. Que ton courage m'inspire à être fort et intrépide. Seigneur, donne-moi le courage d'affronter chaque jour avec espoir et détermination, sachant que tu es à mes côtés. Que je puisse être un exemple de foi et de force pour ceux qui m'entourent. Je te remercie de me fortifier et de me donner du courage. Seigneur Dieu, je peux réaffirmer ma foi et ma confiance en ton pouvoir et en ton amour. Je sais que tu es toujours avec moi, guidant mes pas et prenant soin de chaque détail de ma vie. Même lorsque les temps sont difficiles, je choisis de te faire confiance. Archange Gabriel, aide-moi à maintenir ma foi ferme et inébranlable, que je puisse ressentir ta présence à tout moment, me rappelant que Dieu ne m'abandonnera jamais. Renforce ma confiance pour que je puisse faire face à tous les défis avec sérénité. Seigneur, ma foi en toi est le fondement de ma vie. Je te remercie pour ta fidélité et pour ne jamais me laisser seul. En toi, je trouve la paix, l'espoir et la force pour continuer. Je crois pleinement en ton amour et en ta miséricorde. Nous te remercions, Seigneur, pour la protection et l'amour des archanges, et nous demandons que leurs vertus et dons se manifestent continuellement dans nos vies, apportant paix, santé, prospérité et amour. Que cette prière nous connecte profondément à ton amour éternel et aligne nos actions à ta volonté divine, reflétant ta lumière et ta bonté dans tout ce que nous faisons. Nous demandons toutes ces grâces au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, à qui, avec toi et le Saint-Esprit, nous rendons hommage et louange pour
pour tous les siècles des siècles. Seigneur Dieu, nous demandons que la protection des trois puissants archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, soit avec nous chaque jour. Ouvre les chemins vers la prospérité, guéris nos maladies, protège-nous de tout mal et guide-nous dans toutes nos décisions. Archange Michel, prince des armées célestes, nous comptons sur toi pour notre protection spirituelle et physique. Comme notre défenseur, protège-nous contre la pénurie et les déséquilibres financiers. Utilise ton épée pour couper les chaînes de la pauvreté et attirer des opportunités de croissance et de prospérité. Bénis notre travail et notre vie pour que nous soyons reconnus et récompensés de manière juste. Archange Michel, enlève tous les pièges et les jalousies de notre chemin. Protège-nous des accidents et des catastrophes, garantissant un voyage sûr où que nous allions. Archange Gabriel, voix de la vérité, guide-nous dans toutes les décisions. Annonce dans notre vie le début de nouvelles opportunités et d'amitiés précieuses. Aide-nous à exprimer nos sentiments et nos pensées clairement, renforçant nos liens et résolvant les conflits. Élimine les malentendus et les disputes dans nos relations personnelles et professionnelles. Archange Raphaël, médecin céleste, répands sur nous ton baume de guérison, soulageant nos douleurs et guérissant nos blessures, restaurant notre santé physique, mentale et spirituelle. Incite-nous à prendre soin de nos corps comme des temples sacrés et aide-nous dans notre marche spirituelle, guérissant les blessures de l'âme et éliminant les peurs et les vices. Que nous puissions vivre pleinement en connexion avec le Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ et unis au Saint-Esprit, nous demandons que la présence des archanges Michel, Gabriel et Raphaël apporte des bénédictions et de la protection à tous les aspects de nos vies. Archange Gabriel, voix de la vérité, guide-nous dans toutes les décisions. Annonce dans notre vie le début de nouvelles opportunités et d'amitiés précieuses. Aide-nous à exprimer nos sentiments et nos pensées clairement, renforçant nos liens et résolvant les conflits. Élimine les malentendus et les disputes dans nos relations personnelles et professionnelles. Archange Raphaël, médecin céleste, répands sur nous ton baume de guérison, soulageant nos douleurs et guérissant nos blessures, restaurant notre santé physique, mentale et spirituelle. Incite-nous à prendre soin de nos corps comme des temples sacrés et aide-nous dans notre marche spirituelle, guérissant les blessures de l'âme et éliminant les peurs et les vices. Que nous puissions vivre pleinement en connexion avec le Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ et unis au Saint-Esprit, nous demandons que la présence des archanges Michel, Gabriel et Raphaël apporte des bénédictions et de la protection à tous les aspects de nos vies. Archange Michel, avec ton épée lumineuse, coupe toutes les chaînes qui nous lient à l'insécurité financière et ouvre-nous les portes à la prospérité. Libère-nous de la pauvreté et de l'injustice. Archange Gabriel, inspire dans nos cœurs le courage d'aimer et d'être aimé, et que ta lumière guide nos paroles pour que nous communiquions notre amour et nos besoins de manière claire et aimante. Archange Raphaël, enveloppe-nous de ton manteau de guérison, soulageant les douleurs physiques et nous fortifiant dans la lutte contre les maladies. Que ta guérison atteigne notre esprit et notre âme, guérissant les traumatismes et les anxiétés, et revitalisant notre énergie vitale. Merci d'avoir participé à cette prière. Si vous avez été touché, abonnez-vous à la chaîne pour plus de prières et de bénédictions. Regardez, d'autres prières sont à l'écran maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et votre famille. Amen. Prière très puissante de protection à Saint-Michel Archange. Saint-Michel, protège-moi de tout mal. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très noble prince des hiérarchies angéliques, vaillant guerrier du Très-Haut et aimant de la gloire du Seigneur, défenseur des anges rebelles, amour et plaisir des justes, mon très cher archange Saint-Michel, je désire être au nombre de tes dévots
et de tes serviteurs. À toi aujourd'hui, je m'offre, je me donne et je me consacre. Je place ainsi que ma famille et tous ceux qui m'appartiennent sous votre protection la plus puissante. L'offrande de ma servitude est peu de chose, car je suis un misérable pécheur. Mais tu acceptes gracieusement l'affection de mon cœur. Souviens-toi que si à partir de ce jour, je suis sous ton patronage, tu défendras toute ma vie et m'obtiendras le pardon de mes nombreux et graves péchés. La grâce d'aimer de tout cœur mon Dieu, mon cher Sauveur Jésus et ma douce Mère Marie, et me donnera les secours qui me sont nécessaires pour parvenir à la couronne de gloire. Saint Michel, défendez-moi toujours des ennemis de mon âme, surtout dans le point extrême de ma vie. Venez donc, ô Prince très glorieux, à moi dans ma dernière lutte, et avec votre arme puissante, repoussez loin de moi, dans les abîmes de l'enfer, ces anges prévaricateurs et orgueilleux que vous avez jadis vaincus dans le combat du ciel. Amen. Saint Michel Archange, protégez-nous. Saint Michel Archange, veillez sur nous. Saint Michel Archange, défendez-nous. Amen. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,
Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, implore votre assistance ou réclame vos suffrages, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô Mère, je viens vers vous, gémissant sous le poids de mes péchés, et je me prosterne à vos pieds. Ô miroir du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément. Et je vous offre le très précieux corps, sans âme et divinité, de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et accorde sa grâce. Que le Seigneur laisse sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière du matin à son ange gardien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour mon bon ange, c'est à vous que je me recommande, vous m'avez gardé cette nuit. Gardez-moi ce jour, je vous en prie. Préservez mon corps de tous les dangers et mon âme de tout péché. Saint ange gardien, veillez sur nous. Amen. Ô mon bon ange gardien, que Dieu, par un effet de sa bonté pour moi, a chargé du soin de ma conduite, vous qui m'assistez dans mes besoins, qui me consolez dans mes peines et qui m'obtenez sans cesse de nouvelles faveurs, je vous rends de très humbles actions, de grâce. Je vous conjure, aimable protecteur, de me continuer vos charitables soins. De me défendre contre tous mes ennemis, d'éloigner de moi les occasions du péché, de me rendre docile à vos inspirations et fidèle à les suivre, de me protéger à l'heure de ma mort et de ne point me quitter que vous ne m'ayez conduit au séjour du repos éternel. Mon bon ange, ô, vous qui êtes le gardien de mon corps et de mon âme, mon tuteur, mon guide, mon cher compagnon, mon très sage conseiller et mon très fidèle ami, qu'il est glorieux et consolant pour moi de penser que je suis commis à vos soins, dès le premier moment de ma vie jusqu'à celui de ma mort. Quel respect ne vous dois-je pas, sachant que je suis toujours en votre présence? Avec quelle dévotion ne faut-il pas que je vous honore pour reconnaître l'amour que vous me portez
et quelle confiance ne dois-je pas avoir en votre appui, puisque vous êtes toujours à mes côtés. Oh, vous qui connaissez si bien ma faiblesse, la violence de mes passions, et la malice si redoutable de mes ennemis qui désirent si ardemment me perdre, aidez-moi à découvrir tous leurs artifices, à éviter tous leurs pièges, et à vaincre toutes leurs tentations. Ne permettez pas que je fasse en votre présence la moindre chose qui puisse blesser la pureté de vos regards et me rendre indigne de votre compagnie. Apprenez-moi à faire des prières si ferventes qu'elles soient comme un excellent parfum que vous présentez volontiers au trône de Dieu. Offrez-lui mes gémissements et mes soupirs. Présentez-lui mes nécessités et mes misères. Veillez sans cesse sur moi. Instruisez-moi, dirigez-moi, protégez-moi. Et quand viendra la fin de ma vie, assistez-moi avec bonté dans la dernière lutte. Portez mon âme dans le ciel, afin que je puisse louer Dieu, l'aimer, le bénir à jamais avec vous. Amen. Ange gardien, douce compagnie, ne me quittez pas, ni de jour ni de nuit. Amen. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie
entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, que nous n'avons jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière à Saint Raphaël pour recevoir aujourd'hui guérison, délivrance, protection, paix et prospérité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint Raphaël, guide, médecin, sauveur de l'homme dans la personne du jeune Tobie, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon de mes péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Ô Esprit Saint, Roi du ciel, Consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des bons et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure
et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Dieu et Seigneur des anges, auquel vous avez confié la garde des hommes, je vous offre les mérites de tous ces esprits supérieurs, et en particulier ceux de votre archange Raphaël, bien qu'il fasse partie des princes qui se tiennent devant votre trône dans le ciel. Il a accepté cependant d'être le guide et le compagnon du jeune Tobie sur la terre, pour le préserver au cours de son voyage des dangers de l'âme et du corps. Je vous en supplie, du plus profond de mon cœur, daignez me donner ce saint archange pour guide, gardien et protecteur, afin que sa puissante intercession auprès de vous, pendant cette neuvaine, me fasse obtenir la grâce, exprimer la grâce demandée, que j'implore pour votre plus grand honneur et votre plus grande gloire. Amen. Saint Raphaël, ange de la santé et de l'amour, de la joie et de la lumière, priez pour nous. Vous êtes Raphaël le guérisseur, vous êtes Raphaël le guide, vous êtes Raphaël le compagnon, toujours à l'aide des douleurs humaines. Défendez-moi toujours de toutes les suggestions et des pièges du démon. Obtenez-moi de Dieu la grâce de demeurer toujours victorieux de toutes les puissances de l'enfer jusqu'à mon dernier soupir. Amen. Saint Raphaël, vous obéissez sur l'ordre de Dieu pour protéger et délivrer ceux qui sont prisonniers de l'ennemi. Pour le jeune Tobie, vous avez été un guide parfait. Pour son père, le vieux Tobit, vous avez été un médecin qui l'a guéri d'une malheureuse cécité. Guidez mes pas, éclairez-moi, daignez être pour moi, en cette vallée perfide, un maître, un protecteur, un médecin et un bon guide. Amen. Saint Raphaël, vous avez refusé de suivre Lucifer et Belzébuth dans leur rébellion contre le Très-Haut. Vous êtes un archange expérimenté, car vous avez été créé par Dieu dans les premiers temps. Votre protection est sûre et bienveillante. Vous avez délivré Sarah du démon Asmodée. Vous avez alors donné une grande joie aux parents de Sarah en arrachant leur fille à la puissance du démon, et vous avez rendu à toute cette famille une grande paix. Saint Raphaël, aimable consolateur des âmes affligées, obtenez-moi aussi la paix du cœur et la joie du Saint-Esprit, afin que je mène une vie constamment sainte jusqu'à mon dernier soupir. Amen. Saint Raphaël, vous êtes un ardent défenseur de ceux qui vous implorent, comme vous avez délivré le jeune Tobie du poisson qui menaçait de le dévorer. Saint Raphaël, vous êtes toujours en présence de Dieu. Pour vous, la tendresse du Père, la médecine du Fils, la joie du Saint-Esprit sont distribuées à l'humanité voyageuse avec la puissance d'un esprit angélique et l'amour d'un noble cœur. Saint Raphaël, délivrez-moi aussi du mal que voudraient me faire mes ennemis. Obtenez-leur à eux-mêmes la grâce de se repentir et entrer dans le droit sentier du salut. Soyez dans ma vie l'image de la divine providence, mon médecin, mon guide. Procurez la joie à mon âme en escortant mon pèlerinage terrestre. Amen. Je vous en supplie, par la guérison du vieux Tobit, auquel vous avez procuré la joie de revoir son fils bien-aimé, illuminez mon âme. Obtenez du Seigneur que je connaisse toujours sa sainte volonté et que je l'accomplisse parfaitement jusqu'au dernier souffle de ma vie. Venez à mon secours, je vous en supplie, Saint Raphaël, le meilleur médecin des âmes et des corps. Vous qui avez guéri les yeux de Tobie, donnez à mes yeux la lumière physique et à mon âme la lumière spirituelle. Éloignez de moi tous les ténèbres par vos célestes supplications. Saint Raphaël, vous avez refusé les récompenses et même les louanges de Tobie, car vous êtes uniquement épris de la gloire de Dieu. Saint Raphaël, daignez aussi, je vous en prie,
m'accorder votre protection dans toutes mes nécessités et dans toutes mes affaires, afin qu'elles tournent à la gloire de Dieu et au bien éternel de mon âme. Obtenez-moi une telle pureté d'intention que j'agisse toujours surnaturellement et jamais pour des motifs humains. Saint Raphaël Archange, vous êtes un des sept esprits privilégiés, toujours présent devant le trône de Dieu. Vous lui présentez sans cesse les bonnes actions et les prières de ses créatures. Obtenez-moi de marcher en la sainte présence de mon Seigneur, de plaider auprès de lui la cause des pécheurs et de pratiquer en toutes choses la charité envers le prochain. Saint Raphaël, grand prince de la cour céleste, illustre par les dons de la sagesse et de la grâce, guide des voyageurs sur terre et sur mer, consolation des malheureux et refuge des pécheurs, je vous supplie de m'assister dans toutes mes nécessités et les peines de cette vie, comme vous avez secouru le jeune Tobie dans ses pérégrinations. Puisque vous êtes le remède de Dieu, je vous prie humblement de guérir mon âme de ses nombreuses infirmités et mon corps des maux qui l'affligent, si cette grâce me convient. Je vous demande en particulier une angélique pureté afin de mériter ainsi d'être le temple vivant du Saint-Esprit. Amen. Amen. Venez à mon secours, je vous en supplie, Saint Raphaël, le meilleur médecin des âmes et des corps. Vous qui avez guéri les yeux de Tobie, donnez à mes yeux la lumière physique et à mon âme la lumière spirituelle. Éloignez de moi tous les ténèbres par vos célestes supplications, ainsi soit-il. Saint Raphaël, guide charitable des voyageurs, vous qui, par la vertu divine, opérez des guérisons miraculeuses, daignez nous guider dans le pèlerinage de cette vie et guérir les maladies de nos âmes et celles de nos corps. Seigneur, ayez pitié de nous. Ô Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Marie, Reine des cieux, priez pour nous. Sainte Marie, Reine des anges, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Saint Gabriel Archange, priez pour nous. Saint Raphaël Archange, priez pour nous. Esprit bienheureux des neuf cœurs des anges, priez pour nous. Saint Raphaël, médecin de Dieu, ayez pitié de nous. Saint Raphaël, ange de la douleur et de la guérison, ayez pitié de nous. Saint Raphaël, patron des médecins, ayez pitié de nous. Saint Raphaël, guérisseur de la terre, ayez pitié de nous. Saint Raphaël, défenseur invincible dans les périls de l'âme et du corps, ayez pitié de nous. Saint Raphaël, qui avait repris le grand combat, ayez pitié de nous. Saint Raphaël, vainqueur d'Asmodée, priez pour nous. Saint Raphaël, qui délivrait les esprits incubes et succubes, priez pour nous. Saint Raphaël, instructeur du combat spirituel, priez pour nous. Saint Raphaël, courage des âmes dans l'épreuve, priez pour nous. Saint Raphaël, serviteur des âmes victimes, priez pour nous. Saint Raphaël, défenseur des âmes tentées, priez pour nous. Saint Raphaël, maître de discernement et vrai guide spirituel, priez pour nous. Saint Raphaël, compagnon des pénitents, priez pour nous. Saint Raphaël, patron des confesseurs, priez pour nous. Saint Raphaël, tuteur des vocations saintes, priez pour nous. Saint Raphaël, protecteur des ermites, priez pour nous. Saint Raphaël, bienfaiteur des âmes charitables,
priez pour nous. Saint Raphaël, coopérateur des bonnes œuvres, priez pour nous. Saint Raphaël, modèle de l'ange gardien, priez pour nous. Saint Raphaël, envoyé exceptionnel et miraculeux, priez pour nous. Saint Raphaël, secours de tous ceux qui implorent votre assistance, priez pour nous. Saint Raphaël, intercesseur puissant auprès de Dieu, priez pour nous. Saint Raphaël, fidèle conseiller, priez pour nous. Saint Raphaël, ange de l'amour divin, priez pour nous. Saint Raphaël, figure de la divine providence, priez pour nous. Saint Raphaël, messager de bonheur, priez pour nous. Saint Raphaël, qui dispensez la joie du royaume céleste, priez pour nous. Saint Raphaël, ange de la pureté et de la maîtrise de soi, priez pour nous. Saint Raphaël, médiateur du mariage chrétien, priez pour nous. Saint Raphaël, protecteur de la famille, priez pour nous. Saint Raphaël, l'un des sept anges qui se tient devant la gloire du Seigneur, priez pour nous. Saint Raphaël, adorateur du crucifié, priez pour nous. Saint Raphaël, qui recueillez le précieux sang du Christ pour nous sauver, priez pour nous. Agneau de Dieu, qui enlevez le péché du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlevez le péché du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlevez le péché du monde, ayez pitié de nous. Saint Raphaël, priez pour nous, le Seigneur, notre Dieu. Dirigez-nous, Seigneur, sur le chemin de la paix. Nous louons et vénérons tous les princes du ciel, mais surtout le fidèle médecin et compagnon, Raphaël, qui s'empara du démon Asmodée et l'enchaîna. Gloire à Dieu, qui a ordonné à ses anges de nous garder dans toutes nos voies, de nous porter pour que nos pieds ne heurtent pas la pierre, pour que nous marchions sur le fauve et la vipère, et foulions le lion et le dragon. Ô Dieu, vous avez donné le bienheureux archange Raphaël pour compagnon de voyage à votre serviteur Tobie. Accordez-nous aussi, vos serviteurs, d'être toujours sous sa protection et fortifiés par son secours. Par le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Glorieux archange Saint Raphaël, vous qui, après avoir veillé sur le fils de Tobit lors de son voyage fortuné, l'avez finalement rendu sain et sauf à ses chers parents, marié à une épouse digne de lui, soyez pour nous aussi un guide fidèle. Calmez les tempêtes et brisez les écueils de cette mer agitée du monde, en sorte que tous ceux qui vous vénèrent puissent rejoindre heureusement le port de l'éternité bienheureuse. Ainsi soit-il, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière à Saint-Michel-Archange, prière puissante contre le mal. Bienvenue à vous dans cette nouvelle et puissante prière à Saint-Michel-Archange. Prière contre le mal, sous de multiples formes, prière pour nous aider dans le combat spirituel quotidien que nous soutenons. Que cette prière vous donne la force et le courage, les amis, par l'intercession de Saint-Michel, car le Seigneur est victorieux, et il nous donne sa victoire contre tout mal en réponse à notre humble prière. Je vous invite dès maintenant, les amis, à confier vos intentions de prière en commentaire. Tout souci, ses ennemis, ses combats spirituels, ces épreuves dans lesquelles nous demandons l'aide puissante de Saint-Michel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Église sainte,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Saint Michel, viens nous défendre contre toutes les tentations, quelles qu'elles soient, petites ou grandes, donne-nous la force de résister par la prière et la vertu pour ne pas tomber dans le péché. Et si nous sommes tombés, nous te faisons cette prière contre le péché et pour obtenir le pardon de Dieu. Amen. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui retire tout pouvoir de nous nuire. Nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, repousse en enfer par la puissance divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Saint Michel, nous te prions contre tout ennemi. Protège-nous et apprends-nous à aimer nos ennemis humains, comme nous l'a demandé Jésus pour leur conversion. Protège-nous des ennemis spirituels. Garde-nous par cette prière contre les attaques du démon. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui retire tout pouvoir de nous nuire, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, repousse en enfer par la puissance divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Saint Michel, nous te prions de nous défendre contre toute forme de mal social et spécialement le mal de la guerre. Toi, le vainqueur du diable, chasse tout esprit de violence et de guerre dans ce monde. Nous te faisons cette prière pour la paix, que Dieu nous exauce par ton intercession. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui retire tout pouvoir de nous nuire, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, repousse en enfer par la puissance divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Saint Michel, nous te prions de nous protéger contre toute forme de malédiction, contre la malchance, les mauvais sorts, le mauvais œil. Chers amis, tout cela est aussi une façon d'exprimer que parfois, nous nous sentons menacés ou en danger et nous ne savons pas d'où ça vient. Que Saint Michel, de sa puissante épée, clarifie les choses, coupe tout lien occulte et nous établisse dans la paix intérieure. Amen. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui retire tout pouvoir de nous nuire, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, repousse en enfer par la puissance divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Saint Michel, nous te prions de nous défendre contre la sorcellerie, la magie blanche ou noire, les maléfices, toute forme de pratique ésotérique dirigée contre nous ou contre l'Église de Dieu. Que ta puissance protection garde nos cœurs de toute influence néfaste et toxique pour nous permettre d'avancer dans les chemins de Dieu d'un cœur libre et joyeux. Que ces manipulations n'aient aucun effet sur nous, au nom de Jésus. Amen. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui retire tout pouvoir de nous nuire, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, repousse en enfer par la puissance divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Saint Michel, nous te prions de nous défendre contre toute influence spirituelle du monde infernal. Chasse au loin tout esprit impur, tout mauvais esprit, tout démon qui veut nous tenter pour pécher ou nous faire peur. Saint Michel, vainqueur de Satan, nous te faisons cette prière contre le satanisme et pour la conversion des personnes engagées dans des sectes. Nous te demandons ta protection contre le spiritisme et toute pratique ésotérique
pour se mettre en contact avec des entités. Saint Michel, donne-nous de demander rapidement pardon dans la confession si nous avons pratiqué cela. Amen. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui retire tout pouvoir de nous nuire, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, repousse en enfer par la puissance divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Saint Michel, nous te prions de nous défendre contre toute emprise du démon sur nos cœurs. Je renonce à Satan et à ses séductions et à ses œuvres. Que tout démon soit chassé de ma vie, de mon cœur, de ma famille, de ma maison. Je me donne entièrement à Jésus-Christ, seul Seigneur et Sauveur, le Roi de toutes choses, dans ma vie, le Roi de mon cœur. Amen. Que cette courte prière d'exorcisme, chers amis, soit soutenue par la puissante action de Saint Michel Archange. Amen. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui retire tout pouvoir de nous nuire, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, repousse en enfer par la puissance divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Saint Michel, nous te prions de briser tout lien dans notre vie, spécialement le lien du péché. Chasse tout blasphème, chasse tout sacrilège de notre vie, que nous soyons pleinement plongés dans la divine volonté d'amour de notre Dieu. Chers amis, je vous propose de faire maintenant cet acte intérieur de nous plonger dans la volonté de Dieu. Seigneur, je veux ce que toi tu veux dans tous les domaines de ma vie. Amen. Voilà une puissante prière pour se protéger du mal. Amen. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui retire tout pouvoir de nous nuire, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, repousse en enfer par la puissance divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Saint Michel, nous te prions de venir maintenant étendre sur nous ta protection quotidienne. Par cette prière, par la libération obtenue, nous te demandons d'être toujours à nos côtés pour continuer l'œuvre de Dieu dans notre cœur. Que nous soyons délivrés et protégés de tout mal. Amen. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui retire tout pouvoir de nous nuire, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, repousse en enfer par la puissance divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Saint Michel Archange, nous te prions de protéger maintenant tout notre entourage, notre famille, notre maison, et nous te faisons cette prière spécialement pour nos enfants, pour les jeunes, pour tous les jeunes du monde entier. Qu'ils soient bien conseillés pour éviter les pièges du mal et ses séductions. Que la grâce de Dieu les accompagne, tous ces jeunes, ces enfants, ainsi que leurs familles, pour conduire chacun à la vie éternelle, dans l'auspicieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui retire tout pouvoir de nous nuire, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, repousse en enfer par la puissance divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Et nous consacrons notre matin, notre journée, notre soirée à Saint Michel Archange par cette prière. Très noble prince des hiérarchies angéliques, vaillant héros du Dieu très haut, champion de la gloire divine, terreur des anges rebelles et délice des anges fidèles, daigne m'accepter parmi tes protégés. Je m'offre à toi, je me donne à toi, je me consacre à toi, plaçant sous ta toute-puissante protection
ma personne, ma famille et mes biens. Pécheur, je sais que l'offrande de moi-même est fort peu de chose, mais je ne doute pas que tu voudras bien faire grandir en mon cœur la ferveur de protéger celui qui a recours à toi. Veuille désormais m'assister dans toutes les difficultés de mon existence terrestre et implorer de Dieu le pardon de mes fautes et la grâce de l'aimer avec Jésus mon Rédempteur et Marie ma douce mère de toute ma volonté. Que ton assistance me prépare à recevoir en paradis la couronne de gloire. Défends mon âme contre tous ses ennemis, et lorsque viendra pour moi l'heure de quitter ce monde, viens alors, prince très glorieux, me soutenir dans la lutte finale. Que ton glaive étincelant repousse au loin dans les abîmes de la mort et de l'enfer, l'ange prévaricateur dont tu as vaincu l'absurde orgueil. Amen. Saint Michel, merci pour ton intervention contre tout mal, contre tout ennemi. Reçois la gratitude de nos cœurs pour tout le travail que tu vas continuer ces prochains jours par cette prière et plonge-nous dans le cœur du Père éternel qui nous délivre de tout mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Notre Saint Ange gardien, veillez sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.